Hamza Belaouel, un footballeur professionnel, quitte l'Algérie à Raga. L'émigration clandestine connue sous le nom « Araga » touche également les sportifs et les footballeurs. L'attaquant Hamza Belaouel, 30 ans, qui figure dans l'effectif du MC Oran, pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis, a rejoint le vieux continent illégalement. Le footballeur serait poursuivi par la justice algérienne dans plusieurs affaires, d'où sa décision de fuir vers l'Europe. Ayant porté le couleur de plusieurs clubs en Algérie à l'image de l'USM Belabès, le CR Belouizdad et le CS Constantine, le natif de Mostaganem a préféré s'expatrier clandestinement et tout laisser tomber en Algérie, y compris sa carrière de footballeur. Selon plusieurs médias, il est arrivé en Espagne, il y a quelques jours en compagnie d'autres jeunes Algériens. Hamza Belaouel n'est pas le premier joueur algérien qui prend le chemin de l'immigration clandestine pour rejoindre l'autre côté de la Méditerranée par voie illégale. Plusieurs footballeurs algériens ont immigré clandestinement ces dernières années. On peut notamment citer l'ancien joueur du WR Msila qui avait également en équipe réserve du MC Alger, Chabati Rachid le joueur du CR Boumerdès, Tahar Aguil, Ramzi Boussiala de l'USM El Arach et aussi Karim Baitech, qui avait porté les couleurs de plusieurs clubs à l'image de l'USM Alger, la JS Kabylie ou encore le CS Constantine.